bonjour à tous! Les amis, c'est vous, Jumper, j'espère que vous avez bien écouté. Moi, ça fait nickel comme d'habitude. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle map Minecraft. Non pas pour du puzzle, ni du parcours, ni du finding the button, ni du dropper, mais bien évidemment pour du burning house. J'adore tout faire brûler. Et aussi, mon corps par la même occasion. Oui, parce que, je vous le répète au cas où, les amis, ce style de map, le but est très simple, il suffit de survivre le plus longtemps possible aux flammes de l'enfer. Et aujourd'hui, les amis, je vous présente une nouvelle map, Burning Map ou Burning House, hein, comme vous préférez l'appeler, en ce mode spécial Star Wars. Et je me suis dit que, bon, il y a eu le dernier Star Wars qui est sorti il n'y a pas longtemps de ça, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un truc un petit peu dans le même style, parce que bon, là c'est vrai, il y a Noël, etc. et tout, enfin bon, même si c'est déjà passé, mais on a déjà brûlé le Père Noël la fois dernière, enfin une copie du Père Noël, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, les amis, on se retrouve dans... C'est marrant parce qu'on a l'impression, regarde, j'ai mon pseudo, il s'appelle Medbay Spawn, mais en fait non, c'est juste la plaque qui est derrière moi. Enfin, tu vois, c'est bien fait quand même, c'est super bien fait. T'avais pas remarqué, t'as vu, t'as cru que j'avais un nouveau compte, hein. Alors cette map, les amis, est créée par BrettG17, qu'on salue. Salut. Est-ce que je peux pas lui prendre sa tête? Non, bah dommage, ok. Et apparemment, regardez, donc, on va assister, donc, pour brûler, donc, tout simplement, la tête de Dark Vador, on va brûler un sabre laser et BB-8. Voilà, j'ai hâte d'être dans le crâne de Dark Vador, dans son casque, hein. Je me demande, bien sûr, ce qui se cache à l'intérieur, tu vois, je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur, je veux voir ce qui s'y cache, tu vois ce que je veux dire. Alors là-bas, on a une autre salle, Engine Room. Ok, donc, à mon avis, c'est donc la salle des moteurs, la salle des machines, et là, nous avons, donc, waouh, on a plein... Oh, attends, c'est Chewbacca. On a un Stormtrooper. Oh non, mais on a Dark Vador. Oh, je veux être Dark Vador. Je veux être Dark Vador. Est-ce que ça marche ou pas? Ça va? Wow, wow. Excellent. Bon, par contre, j'ai la cape, mais c'est toujours la cape de Define par rapport à Nuit, je pense. Wow, il y a plein de trucs. Attends, Force Fuel Mode. D'accord. Mustafar Hyperspace. Oh. Bon, bah, attends, on va rien toucher parce que j'ai pas envie de tout casser. Oh! Alors, attention. Donc là, nous avons les maps. Nous avons Dark Vader, Lightsaber, BB-8. Alors, donc, Dark Vader, le sabre laser et BB-8. Et là, derrière, il y a un truc ou pas? Non, il y a rien. Ok, d'accord. Donc, on va commencer avec Dark Vador. Ok. Alors, est-ce que c'est normal? Ah! Oh, attends. What the fuck? Comment ça marche? Est-ce qu'il faut bouger la flèche? Oh! T'es sûr? Attends, c'est comme ça que ça marche? Choosing a map. Attends, in order to break the redstone, wait a moment. After choosing a map. D'accord. Ok, si tu veux pas casser la redstone, tu attends un petit peu après avoir choisi la map. Ok, alors à mon avis, j'ai pété la redstone. À mon avis, j'ai pété la redstone. Oui, à mon avis, je pense que je vais être bon pour lancer la map. Oh non. Mais non, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'y aller autrement? What the fuck? Bon, alors j'ai relancé la map, les amis, parce que oui, à mon avis, j'ai tout pété. Alors, on va voir. Donc là, on va juste cliquer sur Start the Game. Alors, Initializing Game. Ah, bah voilà. Oula, wow, go, go. Attendez, il fallait que je lance mon compteur. Wow. Non, mais attends, c'était quoi ça? J'ai même pas le choix d'appuyer sur un bouton. Non, ça lance le système de feu direct. Oh, c'est donc ça l'intérieur du masque de Dark Vador. Et on se lâche pas envie de... What? Non, mais ils ont peut-être enlevé la tête aussi. Ah ouais, c'est pour ça. Il y a un truc en bas. Set bling. Oh. Attends, est-ce que ça a lancé le système ou pas? Je ne sais pas. Je n'entends pas les flammes de l'enfer. Attends, est-ce qu'on peut descendre là? Oh! Aïe, ça fait mal. Oh oui, il y avait un escalier, j'ai pas vu. Alors attendez, on va descendre un petit peu en bas. Alors j'ai lancé le compteur. Oh. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Set bling. Oui, on le connaît quand même. C'est un redstonien. Très connu quand même. Mais what the fuck? Ok, non, en fait, il y a plusieurs étages dans le masque de Dark Vador. D'accord, donc là, ici, il y a les yeux. Là, il y a la bouche. Et tout là-haut, il y a le cerveau, normalement. Oui, c'est ça? Attends, j'arrive. À mon avis, je pense que ça s'est lancé automatiquement, mais je ne vois pas de flamme. Est-ce normal? J'entends rien, en fait. Ça brûle ou pas? Et en vrai, je sais pas. En vrai... Non, mais en vrai, je crois que ça brûle pas, en fait. Mais what the fuck? Ah, si! Ah, si! Ah, si! J'ai entendu le bloup, bloup!
Ah, d'accord, ok, non, je confirme, c'est bon. Ça brûle, ça brûle, les amis. J'ai entendu le bloop de la lave. Voilà, ah, tu connais ce bloop, hein, ce gloop, ce bloop là, la petite bibule de lave. Ok, non, c'est bon, ça marche. Non, non, mais c'est parce que le monsieur nous donne pas la version de la map. Alors moi, je suis en 1.10.2, tu vois, comme d'habitude. Et je me dis, bah, si ça se trouve, l'idée. Ouh, oula, oula. Ça se trouve, l'idée de la lave, c'est barré, tu vois, du saut de lave. Bon, alors le but, je vous le rappelle, les amis, c'est de survivre au moins 5 minutes. Ah oui, attends, si tu survives pas 5 minutes, ça vaut pas le coup. Hein, tu ne vois rien du tout. Non, ah, vous vous souvenez quand même du traîneau de Noël, enfin du Père Noël de la fois dernière, horrible, complètement horrible. Alors donc, à ce que je vois, donc là la partie supérieure est en train de brûler. Donc la partie inférieure ne brûle pas, on n'a pas de système de briquet quoi. Oh, on va redescendre en fait. On va passer, oula, ça c'est pas bon. Oui, oula, ça regarde là, tu vois les petites, tu les vois les petites. Oh, il y a la lame. Est-ce qu'on descend? Ouais, on descend, allez. Ok, ok, très bien, ça va. Ah, oh, non, ça brûle là aussi. J'aurais peut-être pas dû descendre en fait. Alors là, on est pas loin de 2 minutes. Bon, ça va. Alors, on va dire que les flammes ont eu. Oh non. Comme par hasard, sur l'escalier. Ah bah, génial. Ah bah, alors là. Ah bah, là, je suis complètement keblo. Là, je ne pourrai plus jamais remonter. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis foutu. Bon, très bien. Est-ce que. j'ai même pas le pouvoir de la force pour contrôler cette lave. Non, ça marche pas. Ok, très bien. Je peux même pas déplacer une petite torche, toi. Donc. Si, regarde! Ah non, je peux même pas. J'ai voulu la péter, mais j'ai oublié qu'on était en mode adventures. Ok, très bien. Donc, cette bling, est-ce que tu peux me prêter ta barrière là ou ta petite cordelette là? Parce que j'aimerais bien m'accrocher moi aussi, tu vois. En fait, j'ai pas envie de brûler. Hein, j'ai assez brûlé comme ça, ça suffit. Hein, hein, le crétu, j'allais dire. Le furious crétois, hein, tu vois ce que je veux dire? Attention, what? Ouais, on va rester là en fait. C'est bien ici. Moi j'aime bien être là, tu vois. J'aime bien être ici. Ok, on va se mettre là. Tac, là juste ici c'est parfait. Tu vois ici c'est nickel. Je vois, je peux analyser que la lave ne tombe pas. Et là elle tombe au-dessus de moi, tu sais, non. Ça a l'air de... à mon avis ça va pas tarder à percer, tu vois. Mais on est pas loin, on est plus de 3 minutes. Donc c'est bon signe, tu vois. Là je suis content, tu vois, je me dis, je suis serein. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de survivre au moins 5 minutes. Ça serait pas mal. Après voilà, c'est la victoire, 5 minutes c'est la victoire. Voilà, 10 minutes après, voilà. Ah là, ça vaut plus le coup, hein, tu vois, là ça vaut pas le coup du tout. Alors on va peut-être se mettre au milieu, non? En tête, oh non, c'est la torche qui... C'est les flammes de la torche qui m'ont fait peur. Saloperie de torche. Ah, j'ai cru qu'il y avait le feu derrière moi, mais non. Ok, très bien. Donc pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ici, on est bien. On est en sécurité parce que là, je me serais mis au mythe, c'est mort. Et là-bas, bah là, je serais déjà mort. Là, je serais déjà carbonisé, tu vois. Oh non, les flammes. Oh, je l'avais pas vu. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait très mal. Aïe. Ça brûle. La Dark Vador va mourir. Dark Vador, la Dark Vador. Et comment est-ce que je peux me mettre là? Non, on va se mettre là-bas. On va se mettre là. En plus, je peux plus courir. Donc, je pourrais pas avoir de méga jump. Donc, c'est mort. Allez, 5 minutes, les gens. Il reste que quelques secondes. On peut le faire. Oui, on peut le faire. Franchement, il y a moyen. Il y a carrément moyen. Oh la la. Oh my god. Oh my god. C'est ouf quand même comment ça consume pas trop la laine. Parce que la laine, normalement, ça devrait brûler tout ça. Mais on est bien là. On est très très bien. Je me sens même en sécurité. Hein, si je peux dire. Même si, bon, réellement, on ne l'est pas. Mais. Hein, quand tu analyses toute la surface, tu te dis que peut-être, regardez, on aurait été mieux là-haut. Ouais. Parce que regarde, là-haut, ça a pas l'air, il n'y a pas de gouttelette. Hein. Donc ça veut dire que si ça se trouve, on aurait été beaucoup mieux là-haut. Tu vois ce que je veux dire? Allez, les amis, pas loin de 5 minutes. Oh non, alors là, je suis blasé. Mais non, oh, je suis deg. Alors là, je suis complètement deg. Ah là, j'avoue. Oh non. Ah, attends, par contre, on va enlever la pluie. Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Voilà, parce que bon, là, normalement il est pas censé pleuvoir. Oh, on va prendre un Stormtrooper. Un Jedi. On va prendre un Jedi parce que je pense que la prochaine map ça va être le sabre. Oh là là, je suis deg, les gens. Oh, dégoûté. Ah là, pour le coup, je suis dégoûté parce que j'étais pas loin de 5 minutes et j'ai malheureusement un petit peu effleuré la lave et voilà ce que ça a donné. Bah voilà, bah bien fait. Voilà, ça m'apprendra à vouloir être trop sûr de moi. Bon, bah très bien. Bon, on va entamer la map Lightsaber, donc le sabre laser. Donc là, alors, attention, je prépare le chrono, je me ferai pas avoir cette fois. Attention. Il y a Céline's game. Ok, attention. Mais. What? Run finished? What? Attends, pourquoi run finished? Pourquoi run finished? What the fuck? Est-ce que ça a lancé la lave? Attendez. Ah oui, je crois que oui. Ah oui, je crois que oui. Je crois que ça a lancé la lave. Ah oui, ok, non, parce que regarde, ça a marqué Inside is Game 3 et Round Finish. Mais non, pas Round Finish. Mais là, je crois que la lave, elle descend. Regarde,
Tu les vois les bébés là? Ok, très bien, donc c'est bon. Alors attends, j'ai même pas le temps d'utiliser le sabre laser. Non mais là j'ai complètement buggé, non, parce que j'ai cru que là c'était buggé. Que c'était buggé, voilà, tout simplement j'ai cru que j'avais encore pété la redstone. Alors donc c'est ça l'intérieur d'un sabre laser. Très intéressant. Ça blink. Aïe! Ouh, ça fait mal. Oh mais il est encore là lui! Décidément. Alors nous avons Totally Fireproof Minecart Oswald. Ok, alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre. Si on... Ok, ouh, le dégât de chute amorti par... Ah bah il y a un escalier, mais en fait je le vois jamais cet escalier, je suis complètement aveugle. Ok, là je l'ai vu. Wouah, ça va vachement loin en fait. Mais normalement il n'y a pas un cristal dans un sabre laser, il me semble que ça fonctionne comme ça. Ah, je suis pas non plus un 100% connaisseur de Star Wars, mais il me semble que c'est un cristal en question qui fait le fonctionnement du sabre laser, voilà. Apprends le sabre laser avec Field Jumper. Ou essaie d'apprendre le fonctionnement d'un sabre laser avec Field Jumper. Ok, wouah, il y a déjà le feu là. Non mais what the fuck. What the fuck, mesdames et messieurs? Non mais attends, c'est quoi ça? Non mais attends. Non mais non. Attends, mais la lave, elle va pas vite. C'est quoi? C'est une mauvaise idée d'aller là, j'ai envie de dire. On pourrait même se planquer là. Ça, c'est une bonne idée. Oh, la coulée de lave. Holy shit. Holy shit. Alors là, j'ai l'impression que ça brûle mieux. Non, tu trouves pas? Parce que, à mon avis, tout à l'heure, avec l'eau... Avec l'eau, il est, tu vois, la pluie, hein, ça brûlait pas bien, tu vois, donc, bon, hein, mais j'aurais pas fait les 5 minutes, tu vois, donc, au final, je les ai pas fait quand même, donc, bon, c'était pas de la... Oh, oh mais non, mais non, mais, attends, mais même si je me mets là, je vais me la bouffer sur la face, mais oui, mais je vais la manger sur la face, là, non, mais regarde ça, oh là là, oh là là, mais pourquoi brûler un sabre laser, c'est pas juste. Non, mais attends, attends, je vais déposer ça là. Je ne veux pas de ces torches. Ah non, merci, c'est bon, je ne suis pas une poubelle. très bien, non mais... Wow. Attends, on essaye de calculer. Ça me rappelle la map Tetris. C'est avec les enclumes qui tombent, hein, au cas où vous ne l'avez jamais vu. Cette map-là était géniale. Attends, et là, il faut éviter la lave, en fait. Mais là, je vais crever, là. Bah voilà, je vais brûler, là. Mais attends, non. Non, je vais pas déjà mourir. On est même pas fait, on n'a pas fait 4 minutes là. Oh là là, attends, je vais me mettre là comme ça, voilà, là au mid. Oh mais non, mais même au mid, c'est vrai. Oh, ça va être chaud patate, on va se mettre là. On va se mettre là, j'ai pas confiance mais... Oh la laine du dessus, oh non, c'est pas bon. Oh c'est pas bon. Oh c'est pas bon là. On va se mettre là, c'est bon, ça devrait aller ici. Ok, on va analyser la situation. Très bien. Très, très bien, on est mal. On est très mal là, on est très très mal. Oh non. Oh non! Oh non! Oh non! Oh là 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 là, les gens! Non mais abusé! Mais c'est complètement abusé! Non mais attends, on a fait 3 minutes! Mais c'était super chaud! Mais regarde-moi cette coulée de lave! Il y en a encore plus que pour le masque! Ah bah non, mais en fait, pas forcément. Hein, parce que le casque de Darth Vader, il en a pas autant. En fait, je crois qu'il est équivalent. 4 sauts de lave! Oh là là! Et pour finir, on va prendre un Stormtrooper! Attends, vas-y, ça va changer. Oh! Stylé, le Stormtrooper! Et on va prendre donc la map de BB8. Et on va tester ça. Attention, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur du système de BB8. Attention. Et êtes-vous prêts? À la 1, à la 2, à la 3. Attention. Je vais lancer au moment. Ça met. Voilà. Attention. C'est parti. Voilà, là, c'est marqué go, tu vois. Tout à l'heure, ça m'a pas marqué go. Hein, ça m'a pas marqué go, tu vois. Mais bon, hein, c'est pas grave. Ok, donc là, on est sûr que ça fonctionne. Je vais pas encore bugger. Allez, vous laissez un blanc de 20 secondes. Où je parle pas, mais en même temps, tu vois, j'essaye d'écouter, voir s'il y a de la lave qui tombe et pas. Ok, donc. Oh. Très sympa le BB8, très très sympa. Alors, pour le moment, je n'ai pas réussi dans aucune des deux parties, là, des deux rounds, à survivre plus de 5 minutes. Hein. Donc bon, hein, le Darth Vader, j'aurais pu en plus. Je me suis complètement fail. Hein, j'ai marché avec mon petit doigt de pied hein, sur un petit bout de lave. Et voilà, j'ai consumé, tu vois, j'ai cramé de viande. Voilà, c'était pas un coin de table pour une fois, là, c'était directement à la lave. Tu vois ce que je veux. Alors, est-ce qu'il y a une planque? Est-ce que faut que j'analyse vite fait bien fait? Parce que là, pour le coup, j'ai pas le temps, j'ai pas le choix surtout d'appuyer sur le bouton pour lancer les flammes de l'enfer. Alors, c'est direct tu crames, tu vois. Et Seth Blink qui est toujours accroché. Et lui, mine de rien, lui survit, hein. Lui, balèze. Attends, est-ce que ça brûle? Ouais, un petit peu. À mon avis, je pense que oui, hein. On n'a pas besoin d'écouter là pour le coup. Un petit peu. Alors, j'entends pas du tout de flammes. Mais à mon avis, je pense que ça brûle. Je pense. Ah, si on voit que dans 10 minutes ça brûle pas, hein, on peut en conclure effectivement qu'il y a un petit souci au niveau de la lave. Tout à fait. Mais mais bon, je pense qu'à mon avis. Oh, il a même pas mis de torche, quoi. Il s'en fout. Allez, non, mais là, on s'en fout complètement. Non, mais c'est abusé. Non, mais dis donc. Bon, alors, voyons voir un petit peu. Est-ce que la lave est en train de descendre ou pas? On va voir un petit peu. Alors, est-ce qu'elle descend? Oh, oui, j'entends. Oui, je confirme.
Oui, oh oui, regardez là. Vous le voyez, c'est bon, BB-8, oh là, ça y est, il y a une percée hein, sur le système de BB-8. En fait, c'est bête, mais je suis bête moi, parce que hey, je suis en train de me causer des dégâts à descendre, et je me dis, bah je vais régénérer. Mais non, pas du tout. Et en plus, t'as besoin de ces cœurs, Furious. Si tu prends une petite flamme de côté, t'es bien content d'avoir beaucoup de cœurs. Alors, est-ce que... ok, elle descend comment? On va analyser un petit peu la situation pour pas me faire avoir. Et si on se met là? Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas vraiment une bonne idée. Ok, donc là, la lave va couler, elle va descendre. Peut-être dans le bac des bébés. Attends, on va voir ça. Ah ouais, va aller dedans. Ah, ouais, mais attends, en bas, regardez, là, il y a plus de... Hein, il y a plus de place pour essayer de pas brûler. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, si je me mets là, tu vois, là, je peux être pas mal. Parce que là, la lave va automatiquement s'enfoncer, là, dans le trou du milieu. Mais moi, non. Tu vois, je suis bien. Alors, le seul truc par quoi je peux brûler, c'est les flammes sur le côté. Ou alors la lave au-dessus. Oui, effectivement, j'y ai pas pensé. Mais, hein, mais bon, hein, bah voilà, tiens, regarde. Regarde ce que je dis. Voilà, hein, ça y est, les flammes de l'enfer, ils arrivent sur le côté. Attends, on va se mettre là. Ok, c'est... Oh, oh non. Non mais c'est un truc de malade là. C'est un truc de malade là. Attends, on va aller de l'autre côté plutôt. Oh, ok, on va se mettre là. Je t'avais vu. Attends, en plus avec la couleur orange de la laine, ça peut être... hein, ça peut être trompeur. On va se mettre là, ça devrait aller. Ça devrait aller. Tiens un coup, bébé 8. Tiens un coup, j'essaye de réparer les systèmes. Oui, il y a un petit peu le feu, oui. Hein. Là, t'es un petit peu en surchauffe. Il va falloir se calmer. Faut arrêter de réfléchir. Est-ce que si je me mets là... Oh non. Oui, on va pas se mettre là, on va pas se... En fait c'est mieux le mid au final je crois hein, parce que là, oh non je peux pas mourir quand même. Oh non s'il te plaît. Éteins-toi Furious. Ok c'est bon, impeccable. Très bien. Oh là là. Non mais en fait ça brûle trop là. Ça brûle trop, c'est abusé là. J'aurais pas dû me mettre là. Je n'aurais pas dû. On peut encore aller, je peux plus courir donc c'est très dur. Voilà c'est bon, ici on est bien. Pour l'instant ici, y a pas de coulée de lave. Pour le moment, je dis bien. Après, ça va venir. Je suis au courant, mais pour le moment, il y a. Ok, non, très bien, il y a quelque chose. Est-ce que je peux me mettre là? Je peux pas me mettre là. Et là, il y a le toche. Et là, il y a de la lave. Et là, ça va couler en cascade. Mais là, on n'est pas loin des 4 minutes. J'ai pas envie de mourir. Mais non. Attends, je vais me mettre là. On va se mettre là, les gens. Attention. Hop là, voilà, c'est bon. Non, on va peut-être se mettre ici, ouais, parce que là je viens de voir la. Oh non, on va descendre. Ok. Non, mais regarde ça, quoi. Ok, là, ça devrait pas couler. Oh, ah oui, c'est le vide. D'accord, on est complètement dans le vide intersidéral. Très bien. Ok, donc je... Elle va couler comment, celle-là? Elle va pas bien couler, celle-là. Elle va couler sur ma face. Oh là là. Ici. Là, très bien. Voilà, j'ai trouvé un spot, les gens. Allez, il faut survivre 5 minutes. C'est pas grand-chose, 5 minutes. Ok, très bien. Ça devrait aller. Ici... Ça va aller. Oh là 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 là. Regardez le centre. Je vous l'avais dit, hein, le centre, c'était pire. C'était le pire. Alors là, la seule chose qui peut me tuer, c'est une flamme. C'est une belle petite flamme. Je dis pourquoi belle? Parce que je veux qu'elles ont pitié de moi. Ça serait bien. Oh non! Oh non! Mais j'avais dit belle, non! Oh là 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 là! Oh, je suis dégueu. Oh là là, les gens! Encore! Eh, mort pas loin des 5 minutes! On dirait toujours bébé 8 en fait. Non, mais oh, je suis dégueu! Oh là là! Alors là, c'est complètement la défaite aujourd'hui. Hein. Là, même pas survécu. Au moins 5 minutes, pas loin hein, pour le masque de, enfin le casque de Dark Runner. Et bon, le sabre, je vous en parle même pas. Et BB-8, oh là là, quelques secondes près quoi. Oh là, et c'est quoi ça? D'accord, Toton Pint, d'accord, donc ça donne de la viande Toton. Ok, très bien. Et là, donc, oh, c'est les systèmes de, c'est bien la salle des machines. De les Column Block et tout. Et ben voilà. Et ben les amis, c'est la défaite. Ah oui, je peux avouer. Là pour le coup, c'est la défaite. Mais bon, j'avoue quand même que cette map était plutôt sympa. Elle est vraiment bien travaillée quand même. Parce que regardez, il y a quand même un système de téléportation, un système de automatique de feu. Enfin voilà, c'est génial. Franchement, c'est excellent. Ok, j'aurais pas dû péter ça peut-être. Bah, c'est pas grave. C'est complètement excellent. On va pas se mentir. Franchement, la map est géniale. Je voulais absolument vous la faire. J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir. Et bien écoutez. Et ben les amis, après ces 3 feuilles. Bah, je vais quand même enlever mon masque parce que voilà, ça sera quand même mieux. Pour vous dire, bah, après ces 3 feuilles. Et ben on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas quand même que cette petite map, Burning Map, vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à faire péter la barre de pouce bleu. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir le pouce bleu. Je sais que c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir également. Vous abonner à la chaîne si elle a partagé. Merci beaucoup les amis, surtout n'hésitez pas à tester la map comme d'habitude, les maps sont dans la description de la vidéo et me dire à travers les commentaires si vous avez survécu au moins 5 minutes, ah, pas forcément dans le BB-8 ni Dark Vador, mais si jamais vous avez survécu 5 minutes dans le sabre laser, alors là je veux le savoir, alors là, franchement comment vous avez fait, je veux le savoir. En tout cas merci à tous les amis d'avoir regardé, c'était FurioJumper, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle map Minecraft, ciao ciao les amis.